Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette facile de granola maison, sans gluten, avec des amandes et de la noix de coco. Et vous aurez en bonus une petite idée pour un petit déjeuner rapide et frais avec les granola maison. Pour les ingrédients, on aura besoin de 200 g de flocons d'avoine. Je prends cela de la marque Grillon d'Or que je trouve en magasin bio. 80 g de purée d'amande complète. 100 g de purée de cacahuètes. Vous pouvez mettre juste la purée de cacahuètes ou la purée d'amande, mais moi je préfère mélanger les deux. 80 g de miel que vous pouvez remplacer avec du sirop d'agave ou du sirop d'érable pour une version vegan. 100 g d'amande. 15 g de lamelles de noix de coco. 10 g de graines de chia. Et une pincée de sel. On commence par mélanger dans un grand bol la purée de cacahuètes et la purée d'amandes complète. On ajoute le miel. Et on mélange bien. Dès que c'est fait, j'ajoute les flocons d'avoine, les amandes, les lamelles de noix de coco, les graines de chia et la pincée de sel. On mélange le tout. Et ensuite, on verse tout notre mélange sur du papier cuisson. Et on le répartit bien avec la spatule. Et ensuite, on enfourne à 180 degrés, 10 à 15 minutes. Dès que c'est cuit, on laisse refroidir complètement avant de les mettre dans des bocaux. Ça m'a fait une bonne quantité de granola que je mets dans des bocaux, que je garde pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Pour l'idée petit-déj, je mets juste du yaourt végétal à la noix de coco. Celui-là, c'est la marque Carrefour qui est vraiment top et onctueux. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas. Je rajoute quelques granolas par-dessus et des fruits frais. Pour ma part, j'ai rajouté des fraises que j'avais au frigo. Et voilà, le petit déjeuner est prêt, rapide, bon et efficace. Voilà la recette d'aujourd'hui, des granolas maison sans gluten. Facile à faire. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao!